La popularité des réseaux sociaux chez les jeunes ne se dément pas. Ils ont été conçus pour un usage compulsif et causent d'énormes torts aux jeunes. De plus en plus de parents et d'élus s'inquiètent des effets potentiellement néfastes. C'est Mark Zuckerberg qui subira les foudres des élus américains. Vous savez très bien que votre produit est un désastre pour les adolescents. Vous n'avez rien fait pour les aider. Vous n'avez rien fait pour y remédier. Et comment on fait pour revenir à un petit peu moins? Il y a des rapports partout dans le monde. Le temps n'est pas pour regarder les solutions, comme le dit le premier ministre. Le temps est pour agir. Les jeunes nous disent, moi, j'en apprends sur Gaza, j'en apprends sur l'Ukraine. Les jeunes de 13 ans, en ce moment, sont pas devant le téléjournal, là. Ils sont sur TikTok. Oui, on est sur nos cellules très souvent, mais on n'est pas déconnecté du monde réel. Anne-Frédérique, qu'est-ce que toi, en tant que jeune, t'aimerais dire à propos des réseaux sociaux? Déjà, en grandissant avec les réseaux sociaux, ben, on comprend déjà comment s'en servir, parce que ça fait partie de notre vie. Ça prend pas tant de place que ça, là. Je veux dire, les adultes, si vous regardez la vidéo, là, je suis pas devant mon phone et comme les adolescents dans les films, là, les stéréotypes. Parce que c'est très facile de dire, oh, c'est comme ça pour tout le monde généralisé. Mais c'est pas vrai. De nos jours, c'est juste des cellulaires. Notre société est plus technologique, fait que je crois qu'ils vont jamais comprendre. C'est genre une époque complètement différente. Je pense qu'il y a une plus grande partie négative des réseaux sociaux que positive. Mais tu sais, ça peut être hyper positif si on les utilise bien. Ma mère m'a fortement déconseillé d'en avoir. Quand on a eu la décision de m'acheter un flip, je devais avoir 14 ans. Texte-moi. Moi, c'est Léo, j'ai 17 ans. Ça va être très, très long, je sais tout de suite. Moi, tu sais, ça va si je mets C, mais je sais. Oh merde, j'ai 17. Envoyé. Ça doit être en bas de 20 lettres. J'ai eu un téléphone très jeune, 5-6 ans. J'abusais, je me couchais très tard. J'étais juste pas capable de faire autre chose que de regarder mon téléphone. À un moment donné, on a décidé, bon, ben regarde, on arrête. C'est quoi que t'as besoin sur un téléphone? Appeler, texter. Et on a décidé de finalement m'acheter un flip. Tu t'en sers combien de temps par jour? Ouf, ça je sais pas. Je peux vérifier? Temps d'écran, c'est ça? J'écris ça dans paramètres. Ah. Oh, OK. 4h30. C'est pas plus qu'une heure. Vraiment pas, même peut-être moins que 30 minutes. Je m'attendais à plus, moi. J'étais un peu, genre, en moyenne 2 heures par jour. Ce qui est, je pense, pas si pire. J'espère. C'est plus élevé que ce que je pensais. Mais ça dit 6h18. C'est genre 7h28. And then total screen time, c'est 47h. J'ai un problème. Je prends 6 heures de ma vie chaque jour à swipe, à liker des vidéos, à rire derrière certaines, à envoyer des vidéos. Je vais me justifier, OK? J'ai beaucoup de temps libre. J'aurais pu profiter pour dormir. Moi, je suis quelqu'un de très fatigué dans la vie en plus. Being a consumer is a full-time job. Et tu sais c'est quoi, Meta? Meta? Ouais. Ça me dirait. Which one? Meta? Meta? Non. Ben, c'est pas genre ce qui contrôle Instagram, Facebook, pis tout ça. OK, là, ça me dit quelque chose. Genre, quand j'ouvre Instagram, je pense que c'est écrit un truc du genre comme ça, là. Meta, ouais. Meta, c'est Facebook, il me semble. Ouais. Est-ce que je pense que les compagnies, les grands chefs de compagnie ou quoi que ce soit, qui veulent mon bien... Ces plateformes-là sont faites pour que tu les regardes plus. C'est ça, leur business. Pour eux, les créateurs des réseaux sociaux, c'est faire de l'argent. Parce que ça, c'est comment les réseaux sociaux fonctionnent. Je pense qu'ils sont là pour faire leur argent. C'est aussi ça qui fait peur, là, en même temps. Est-ce que notre bien-être est nécessairement le but premier? Non, je pense pas. Tu penses peut-être que c'est full nouveau. Non, non. Tes parents aussi avaient des réseaux sociaux. C'est juste qu'ils se sont fait surpasser par un titan. Facebook fait son apparition en 2004 et le site a été créé par Mark Zuckerberg. Oui, oui, le gars qui s'habille toujours pareil. Il y a aussi l'arrivée de Instagram en 2010 et de Snapchat en 2011. En 2012, bang! Mark Zuckerberg, qui a Facebook, va acheter Instagram et plus tard, sa compagnie va changer de nom pour Meta. Et il y a l'arrivée de Musical.ly en 2014 qui a popularisé les vidéos très courtes et punchées. C'est cette app-là qui va devenir TikTok.
bref, il s'en est passé des choses en à peine 20 ans. Au Canada, c'est plus de 70 % des jeunes âgés de 7 à 17 ans qui les utilisent. Même si au Québec, l'âge légal pour s'inscrire à la plupart des réseaux sociaux, c'est 13 ou 14 ans. Alors, pour mieux connaître ceux qui sont derrière les apps sur lesquelles on passe tant de temps, on s'est dit qu'on n'avait pas le choix. Il fallait aller leur rendre visite. Et ça tombe bien parce que la majorité des compagnies de réseaux sociaux sont à la même place, la Californie. Attention, on s'en vient. Los Angeles, San Francisco, Silicon Valley, on était à la bonne place pour comprendre ce qui se cache derrière le fonctionnement des réseaux sociaux. Sauf qu'on a eu un petit problème. Aucune des compagnies a voulu nous rencontrer. Mais on n'allait pas s'arrêter là. Parce qu'en Californie, il y a aussi beaucoup d'experts qui suivent ces grandes compagnies de près. Je suis professeur d'université à Los Angeles. J'enseigne comment les technologies affectent les sociétés. Je suis originaire de la Silicon Valley. C'est là que j'ai grandi. J'ai fait mes études secondaires là-bas. Les entreprises qui viennent de là, qui créent à peu près tous les médias sociaux qu'on connaît, à l'exception de TikTok, qui vient de la Chine, ces entreprises essaient de contrôler notre cerveau, de nous créer des désirs et de manipuler notre façon de penser et de nous sentir. D'une certaine manière, elles exercent un énorme contrôle sur nous. Et quand on y pense, c'est quand même étrange que quelques entreprises, dans une toute petite partie du monde, affectent la vie de milliards de personnes à travers le monde entier. La Silicon Valley est un endroit magnifique, mais son pouvoir est inimaginable. On travaille de près avec la plupart des grandes plateformes de médias sociaux. On travaille directement avec les dirigeants et on essaie de leur mettre des règles. Une des choses qu'on voit chez plusieurs dirigeants de la Silicon Valley, c'est qu'ils ne laissent pas leurs propres enfants utiliser les médias sociaux. Ils ne les laissent même pas utiliser les produits qu'ils ont eux-mêmes créés. Je me demande bien pourquoi. On doit se poser la question. C'est pas dans leur intérêt de faire quelque chose pour nous protéger, parce qu'ils ont un modèle d'affaires qui fonctionne. Vous êtes le produit. Les jeunes sont le produit. Alors, pour obtenir ce qu'ils veulent, ils ont besoin que vous soyez accro à la plateforme. Ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent, pour eux et pour leurs actionnaires. Désolé. Mon premier réseau social, ça a été à 9 ans à peu près. J'avais 7 ans quand j'ai eu mon premier réseau social. C'était super facile à le faire. Justement, peut-être trop simple. J'ai les réseaux sociaux depuis que j'ai 12 ans. À 13 ans, j'ai eu mes premiers réseaux sociaux. Je pense pas que 13 ans, c'est trop jeune. Au moment où je les ai eus, j'avais un niveau de maturité un peu plus élevé, justement, où ce que ça m'a permis de comprendre plus ce que je publiais puis ce que je voyais sur les réseaux. Honnêtement, je crois que c'est trop jeune parce que t'es encore dans ton développement. Même en ce moment, je me trouve trop jeune pour tout ce qu'il y a sur les réseaux. Genre, c'est tellement facile de peser sur un bouton, faire installer l'application puis de créer un compte puis de faire passer pour quelqu'un de plus vieux. Même si mes parents voulaient pas, si j'avais voulu m'inscrire, je l'aurais fait. Il y a des enfants de 8 et 9 ans sur ces plateformes. C'est évident qu'ils mentent sur leur âge et que ces entreprises technologiques, qui valent des billions, littéralement des billions de dollars, n'ont pas voulu dépenser d'argent pour développer des systèmes de vérification de l'âge, parce qu'elles perdraient de l'argent si elles en avaient. Les grandes entreprises technologiques n'en font absolument pas assez pour protéger les jeunes. C'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent être ce qu'ils sont, c'est-à-dire les compagnies les plus riches de l'histoire du monde. Même pour les jeunes de 14 et 15 ans qui y sont légalement autorisés, ça ne veut pas dire que les expériences qu'ils vivent sur les médias sociaux sont nécessairement saines pour eux. C'est un média de comparaison. C'est certain que leur expérience va être négative. Depuis que j'ai 12 ans, je suis sur les réseaux. J'ai commencé à me comparer en secondaire 2. Je veux dire, les modèles sur les réseaux sociaux sont le classique du grand gars, genre 6 pieds 2, super musclé. C'est tout le temps là, genre. Même si tu likes pas des affaires de même, tu sais, ah, oh, je viens de voir ça, puis comme, à la force, ça mine un peu ton moral puis ton image de toi-même. Je
Je crois que j'ai le contrôle de mes réseaux sociaux parce que mon algorithme, genre, c'est moi-même qui le scroll. Genre, si je vois quelque chose que j'aime pas, je vais genre faire, like, not interested. Il faut d'abord que j'aille des préférences pour eux, ils analysent et fassent le travail pour moi. C'est moi qui est venu signer avec Instagram pour leur dire « Ah, je veux regarder des vidéos. » C'est moi qui a créé mon compte moi-même. Donc, ils m'offrent leur service. Savoir sur les algorithmes, c'est que ce sont des codes informatiques qui vont déterminer le contenu qui nous est proposé. Les réseaux sociaux, chacun a leur propre algorithme et ne veulent pas révéler leurs recettes secrètes. Ils analysent l'utilisation de tous les jeunes, de tous les utilisateurs. Et puis, s'ils comprennent que les gens qui aiment les vidéos de chiens aiment aussi les vidéos de chats, bien, ils vont vous en proposer. Puis c'est eux qui vont décider à notre place, finalement, qu'est-ce qui va nous être exposé. Il y a quand même des contenus assez perturbants dans TikTok par rapport à la sexualité. À 9 ans, tu dois pas avoir ça, tu dois même pas penser à ça. La pire vidéo que j'ai vue, je dirais que c'est des gens qui se filmaient en train de faire du mal à des animaux. Wow, moi j'ai vu très choquant. Je sais pas si tu veux garder ça dans ton documentaire. Quand je vois quelque chose qui est genre traumatisant, je le bloque. Ça va tellement m'affecter, je vais juste en penser pour le reste genre de ma vie. Il y a comme un filtre où ce qui ça dit, genre ce contenu-là est difficile à regarder, genre veux-tu continuer à regarder la vidéo? Mais c'est le fait que comme pourquoi c'est publié même? Les choses qui sont négatives sur les réseaux sociaux, ça t'attire plus. Je sais pas pourquoi, mais... Ce qu'ils veulent, c'est attirer notre attention. Et une chose que tous les êtres humains ont en commun, et on n'a pas à se sentir mal, c'est que chaque fois qu'on se sent jaloux, anxieux ou qu'on entend quelque chose de fou, ça attire toute notre attention. C'est instinctif. Si je vois un feu juste là, je vais le regarder parce que je veux pas être brûlé. Et vous savez ce qui vend? Le sexe, les scandales, la violence, la colère. Tout ce qui peut attirer votre attention. C'est une course pour attirer votre attention. N'oubliez pas ça. Ils veulent vos données parce que c'est ce qu'ils vendent aux publicitaires. C'est un problème qui a été créé par les réseaux sociaux pour leur bénéfice et non le vôtre. Oui, c'est quoi des données personnelles? Ah, je suis sûr qu'ils les ont. J'utilise Google comme tout le monde, je regarde YouTube. Là, c'est... Je peux pas me sortir de ça. Je veux pas vraiment le savoir, ce qui est fait avec nos réseaux sociaux. Où ça va, cette information-là? Je me dis, tout le monde a ça. Tout le monde est dans le même bateau. On nous a fait croire qu'en se connectant, nécessairement, il fallait qu'on soit surveillé, puis on n'avait pas le choix d'accepter le fait que des données sont collectées sur nous. Mais ça, c'est des décisions humaines. Donc, il y a des décisions d'affaires qui ont été prises pour venir mettre des trackers, pour collecter de la donnée. Quand tu tapes, à la vitesse à laquelle tu tapes, si tu tapes quelque chose et tu l'effaces, bien ça aussi, c'est déjà enregistré. On va, avec ces données-là, créer des profils qui vont ensuite être vendus à des publicitaires. Et plus tu es connecté, plus tu envoies de l'information. Et c'est comme ça que les entreprises vont faire de l'argent. J'ai déjà pensé à genre, ma sécurité et mes données. Je fais attention, là, mais je suis pas stressée. Non. Je dirais que la seule raison pour laquelle je dis que je veux pas y penser, c'est que ça m'inquiète. Si tu m'avais dit ça quand j'avais commencé les réseaux sociaux, là, je t'aurais dit, j'ai pas envie qu'ils aillent mes données. Si on est capable de manipuler certains comportements d'achat, on peut aussi manipuler tes idées. Est-ce que tu es, par exemple, favorable à ce qu'une usine vienne s'implanter proche de chez toi? Et là, on peut t'envoyer de l'information qui va du côté d'être favorable. Et là, ça t'influence parce que tu n'étais pas sûr. Et finalement, ça a des effets sur tes goûts, sur ton identité. Et ça, c'est un gros pouvoir que tu cèdes à la machine. Tu peux avoir certains comportements qui vont t'aider à être moins tracé. Tu as un identifiant marketing que tu peux venir éteindre. Tu peux aussi aller jouer dans les configurations de ton cellulaire pour venir refuser aussi la collecte de données. C'est tellement addictif, là. C'est tellement fait pour que tu cliques, puis que tu reviennes cliquer, puis que tu recliques sur ce que tu as déjà cliqué, puis que tu recliques sur cette affaire-là que... Je vois pas le temps passer. Genre, 3 heures après, j'ai regardé l'heure, j'ai comme...
Comment il est déjà genre 5 heures? Je crois pas si c'est une addiction, parce que c'est des temps séparés durant la journée, genre après une journée d'école, pour me détendre. Mon objectif, c'était juste d'aller poster une story. Et là, ben, je suis rendu en train de scroller pendant comme 30 minutes, là. Facile, facile. Les plateformes sont développées pour capter puis attirer notre attention. C'est ce qu'on appelle le design persuasif. Par exemple, la barre de défilement à l'infini, puis qu'il y a du contenu à l'infini. Donc, t'arrives jamais à la fin. Avec des mécanismes comme des notifications. Qui t'avertissent que soit que t'as un message ou soit qu'il y a du contenu nouveau qui vient d'apparaître. Donc, elles vont être vraiment bonnes pour nous dire que la meilleure chose à faire en ce moment, c'est de regarder une vidéo pour passer le temps. Tu veux que j'aille sur mon TikTok? OK, ouais, ça, c'est un ad. C'est un chien avec un autre chien. Like, c'est vraiment genre du n'importe quoi. But like, je suis tellement genre accro. Genre, je peux pas arrêter. Maintenant, je veux like voir la vidéo que je viens juste de fermer. But like, not really, mais oui. Mais ouais. Moi, ce qui me gosse le plus, en fait, c'est souvent dans des conversations, il y a un petit silence. Tout le monde sort leur téléphone parce qu'il y a un silence. Et ben j'ai pas de téléphone, t'sais. Fait que moi j'aimerais ça pouvoir moi aussi je suis occupé, donc j'essaie d'éviter le silence, mais je peux pas faire ça. Même si on est plus connecté que jamais, la tranche d'âge de la population qui ressent le plus de solitude, c'est les jeunes. Plus que les aînés qu'on s'imagine être seuls dans une résidence, ben non, c'est les jeunes. Si le numérique fait qu'on se voit pas en face à face, ben c'est là peut-être qu'il y a une connexion sociale qui est moindre. Parce que même si les réseaux sociaux sont associés à du soutien social, c'est quand même pas un lien en profondeur. Faut juste s'assurer que notre utilisation du numérique puis le fait d'être connecté avec les autres fait pas qu'au final, on se sent plus seul qu'avant. Ça me rend plus antisocial parce qu'avant, genre, quand j'avais 11-12 ans, quand j'étais pas vraiment dans les réseaux sociaux, genre, je parlais à tout le monde. J'étais une boule de joie, là. Il y a beaucoup de personnes qui disent, genre, j'utilise mon cell, genre, je l'ouvre juste pour, genre, avoir des personnes. J'ai fait ça, genre, j'ai fait ça. Mais ouais. Je suis sur les réseaux sociaux depuis l'âge de 11-12 ans. Je suis H24 sur mon téléphone, tout le temps. Ça m'empêche de manger, même si que je mange dans la journée, je vais manger un peu plus tard parce que je vais être sur mon téléphone. J'ai quand même une hygiène encore parce que je suis pas accro, mais ça va être dur pour moi de dire « Ah, je m'en vais ». Quand l'utilisation est plus individuelle, donc on va scroller, regarder du contenu tout seul, c'est là où les jeunes me déclarent plus vivre des débordements, que c'est difficile d'arrêter, parce que simplement, on voit pas le temps passer quand on est là-dessus. Donc, de se mettre une minuterie, que ce soit sur les réseaux sociaux, de dire « Envoie-moi un avertissement quand ça fait 10 minutes que je regarde du contenu », d'essayer de pas être en plein écran pour voir l'heure, voir le temps qui passe. C'est pas une question de dire « Bien, on veut plus regarder du contenu seul de notre bord ». C'est juste qu'il faut, là, peut-être plus se prémunir de stratégies pour être capable de faire pause quand on veut faire pause. Quand j'étais vraiment plus dans les réseaux sociaux, je pouvais rester jusqu'à genre 1h du matin à scroll sur TikTok à rien faire de ma vie. Genre, j'ai gaspillé mon sommeil pour ça. Ce que je fais en me couchant, je mets mon alarme pour me réveiller à l'heure. Avant de me coucher, genre, j'ai ma télé et mon cell. So it's like, bam, double. Like, c'est genre TV show après mon TikTok. Oh my God, this is so bad. OK, anyway. Juste avoir la lumière de l'écran, ça te réveille. Je sais pas si c'est scientifiquement genre justifié. Il y a une valeur sûre sur laquelle les scientifiques sont pas mal tous d'accord et c'est l'impact des réseaux sociaux sur le sommeil. D'abord, il y a la production de la lumière bleue qui est produite par les écrans. Elle simule, en quelque sorte, le même éclairage que le soleil. Alors, mon cerveau sera pas dans un état d'endormissement, aura pas eu la chance de produire ce qu'on appelle l'hormone d'endormissement. Mais d'autre part, les réseaux sociaux vont nous exposer à des images hyper stimulantes, à un contenu qui nous fait réagir au plan émotif. Ça envoie le message au cerveau de rester éveillé. Le cerveau, c'est quoi? C'est une collection de neurones. C'est des neurones qui sont connectés entre eux. Il faut voir le cerveau comme un paquet de fils électriques avec des processeurs connectés entre eux. À la naissance, on forme l'équivalent de 40 000 connexions à la seconde dans notre cerveau. Puis évidemment, le nombre de connexions diminue à mesure qu'on avance en âge. Quand on arrive à l'adolescence,
Crois-le ou non, on a fait deux fois trop de connexions. Et là, c'est le moment de se débarrasser des connexions qu'on n'aura pas utilisées. Il y a des effets mesurables et mesurés qui montrent que les gens qui utilisent les écrans de manière abusive, je dirais, ils ont moins de connexions entre les neurones utilisés pour la lecture et l'écriture, ce qui fait qu'ils sont moins bons à lire et à écrire. Puis c'est pas à dire qu'on peut pas corriger ça, mais c'est à dire que c'est clairement plus difficile de le corriger une fois que ces connexions-là sont établies. C'est démontré que les gens qui abusent des écrans, ils ont une atrophie, c'est-à-dire que leurs amygdales sont plus petites. Les amygdales, c'est un noyau qui est à peu près gros comme le bout de mon pouce. C'est le noyau qui va coordonner tout ce qui est émotion, tout ce qui est mémoire émotive. Or, donc, si nos amygdales sont plus petites, on peut présumer que la capacité émotive est moins bonne. On a moins d'empathie, on est moins capable de décoder le langage non-verbal. Donc, c'est assez majeur ce que ça peut laisser comme problème à long terme. Trouves-tu que ton cerveau se met trop rapidement des fois, comme s'il était trop plein d'informations? Mais c'est normal, parce qu'on est plusieurs aujourd'hui à souffrir de surcharge cognitive. Ça, c'est quand notre cerveau est tellement stimulé qu'il devient comme épuisé. Par exemple, en regardant plein de courtes vidéos, oui, c'est à toi que je parle, TikTok, en recevant des notifications, en textant 12 amis en même temps. On ne connaît pas encore tous les impacts que les réseaux sociaux peuvent avoir sur notre cerveau, mais voici certains effets qu'on a observés. Premièrement, les réseaux sociaux peuvent avoir des conséquences sur notre capacité d'attention. En gros, on reçoit tellement d'informations rapidement qu'on a plus de difficulté à retenir notre attention sur une seule chose. Ensuite, notre utilisation de l'Internet en général peut affecter notre mémoire. C'est simple. Vu qu'on peut trouver n'importe quelle information rapidement sur Internet, ça fait que notre cerveau prend moins la peine de retenir les informations. Ça expliquerait pourquoi j'oublie tout le temps mon adresse. Faudrait bien que je la note quelque part. Ça sent bien gênant de toujours vérifier sur Google Maps. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour réduire l'impact de notre téléphone sur notre cerveau? Pour t'aider à te concentrer, laisse-le dans une autre pièce. Et évite d'utiliser ton téléphone une heure avant d'aller te coucher, ça va t'aider à dormir. Ou au minimum, active le mode nuit pour couper la lumière bleue. Sinon, tu peux faire comme moi et méditer. Check comment je suis rendu bon. Les réseaux sociaux, ben, ça a amené aussi le système de likes, qui fait en sorte que maintenant, pour avoir une valeur sociale, ben, faut que je reçoive des likes. Notre cerveau est ainsi fait que quand on vit une activité agréable, il va libérer une hormone, une espèce de bonbon du cerveau qui s'appelle la dopamine. La libération de la dopamine, ça peut devenir très addictif. Les alertes sonores, les likes, les pastilles de notification, ça, c'est des renforcements constants qui nous amènent des décharges de dopamine. Ces décharges-là sont tellement agréables que ça va aussi nous amener à les rechercher presque à tout prix. Et ça fait en sorte que ça devient très difficile de se détourner des réseaux sociaux parce que c'est ultra plaisant. Je suis la première à être tombée là-dedans. Avant, j'étais comme, oh my god, genre, qui a like ma story? Puis tu sais, j'allais toujours regarder. Qui n'aime pas être vieux? Moi, je vais chercher les 10, des fois 25, puis ça me fait ma journée. Des 10 personnes ou des 10 000? Non, 10 personnes. Moi, je suis pas populaire comme ça, moi. Et ça, c'est une image que tu dois mettre sur les réseaux sociaux pour que tout le monde croit que ce contenu-là, il est bon parce que regarde-le, comment il est content tous les jours. Il vit sa best life, il vit pour de vrai. Mais je vais pas poster quand ça va mal. Je le ferai pas parce que c'est pas forcément intéressant. Moi, je pense que les réseaux sociaux, en général, c'est très filtré, là. On voit ce que les gens veulent qu'on voit, là. Quand je vois, par exemple, tous ces artistes-là qui roulent en belle voiture, des grosses liasses d'argent comme ça, des fois, je suis là, je suis comme, wow, même moi, j'aimerais avoir ça. Moi aussi, j'aimerais partir en avion dans le sud quand je veux, quand ça me tente. Et en plus, poster ça et que ça me ramène des revenus. Ouais. Les influenceurs sont souvent très... heureux, puis ils ont une super belle vie, mais derrière la caméra, il y a beaucoup de choses qu'on manque puis qu'on voit pas, donc... Pour moi, Los Angeles, elle a toujours été comme la ville où est-ce que j'ai toujours voulu rester. Si je me trompe pas, t'es la Québécoise la plus suivie sur TikTok. J'ai jamais regardé, mais je pense que oui. C'est vraiment drôle à dire. Je suis organisée, mais tu sais, c'est bien, bien serré, là. Voyons, comment il fonctionne, lui-là? Ça, j'ai porté ça à Tout le monde en parle, que j'étais comme, peut-être je vais le remettre. Ça, c'est la jacket quand que j'avais dansé avec J-Lo.
ouais, boum, ouais, 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 boum. Devin Prince. Ouais, 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 boum. I mean, I can't get enough. I love that shit. Can't get enough. J'ai 22 millions d'abonnés avec comme TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Puis on a compté, j'ai plus de 7 billions de vues sur tous mes réseaux sociaux, qui est vraiment intense. Je ne réalise pas encore que j'ai fait ça en commençant avec ma mère qui me filme. Je vais rencontrer Justin. J'ai tellement d'idées, mais c'est difficile à les mettre comme en place s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour t'aider à filmer tout le temps. J'ai commencé la danse à 13 ans. Pendant l'été de la pandémie, je tondais la pelouse comme de 6h du matin à 5h le soir. Je soupais comme 30 minutes. Par ça, j'allais avec ma maman filmer jusqu'à des 9h du soir. Je commence tout seul, puis t'as... Yeah, yeah, OK. J'étais vraiment comme à bout de tondre la pelouse. Puis je me suis assise dans ma chambre, j'ai comme commencé à écrire « Qui est Enola? » Je suis quelqu'un qui n'a pas peur du ridicule. Pourquoi pas danser dans des endroits où est-ce que personne fait? Puis j'avais appelé ma mère, je suis comme « OK, samedi, on va danser au Gala Capitale. » Puis t'es comme « C'est quoi cette idée-là, Enola? » J'ai posté ma vidéo, puis direct, genre, je savais que ma vie, elle allait changer. En une heure, j'avais comme 300 000 vues, puis ça a grimpé le lendemain, j'avais comme 30 millions de vues. J'ai appelé ma mère, je suis comme « Maman, je pense qu'on est viral. » Ah! Allô! Ça va bien? Oui, toi? Il fait-tu froid à Québec? Oui, bien, ça va descendre jusqu'à moins 30. Déménager à Los Angeles comme toute seule à 20 ans, ça n'a pas été quelque chose de facile. Tous les créateurs sont vraiment ici en tant que tels. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont avoir l'éthique de travail à toujours continuer, continuer, continuer. Maman, t'aime beaucoup puis je suis fière de toi. Je pense en commençant, je n'avais pas réalisé que c'est une job à temps plein puis tu peux pas arrêter. C'est comme un espèce de one-way street. Je pense qu'il faut vraiment que tu sois un créateur de contenu pour comprendre l'ampleur du travail. Tu poses, c'est fini, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tu poses, c'est fini, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Fait que c'est tout le temps comme une espèce de publication après publication. Quand que je vais à Hollywood, je filme en fait comme une vingtaine de vidéos. C'est vraiment de trouver la chanson, créer la chorégraphie, trouver le costume, après ça, aller sur Hollywood, trouver l'espèce de scénario en tant que tel que je veux créer, puis après ça, le filmer, l'éditer et le poster. That was awesome. Je pose sur toutes les plateformes à chaque jour, donc c'est vraiment intense. Alors, j'ai TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat. Snapchat, je vais publier en fait comme de 40 à 50 comme stories par jour, puis 3 spotlights. Alors, il y a vraiment toutes les plateformes que je suis, puis s'il y en a une nouvelle demain, ben là, il va falloir que je sois sur la nouvelle demain. Pas tout de suite, s'il vous plaît, parce que là, c'est assez. Trop de plateformes. J'ai des cours de chant, souvent, mettons, de 11h à 1h. J'ai mes cours de danse aussi proches. J'ai des cours d'acting la fin de semaine aussi que je vais faire. Je me planifie comme des soirées à filmer. Je vais apprendre comme genre 5 danses. Puis d'habitude, ça me prend comme genre 5 à 10 takes, là, parce que je suis vraiment perfectionniste. Quand j'ai commencé les réseaux sociaux, ma thyroïde a commencé à moins bien fonctionner. Mon métabolisme il était un peu plus lent. J'ai pris en fait comme 20 livres sur les réseaux sociaux. Je pense que c'était la première fois que j'ai vu et que l'opinion des gens m'a affectée sur mon poids. J'ai commencé à avoir comme une espèce de souci de comment que je parais. À un moment donné, je me suis dit, Nola, je pense pas que si je continue à regarder les commentaires, que c'est quelque chose de sain dans ma vie. C'est mon travail, mais tu sais, je regarde à chaque jour, je passe énormément de temps sur mon téléphone. Je pense que scroller et consommer, ça me donne beaucoup d'anxiété parce que je pense que c'est là que je me compare beaucoup. Je pense que des fois, tu peux te perdre en tant que tel. Fait que je pense que c'est vraiment de pas juste rester comme ça pendant comme toute une journée, mais la vie est belle en dehors des réseaux sociaux aussi. Fait que je pense que de rester inspiré par ce que tu vois, puis de prendre cette inspiration-là, puis de le mettre dans ta vie à toi, puis après ça, ben, de faire quelque chose avec ça. Thank you.
J'ai eu mes premiers réseaux sociaux à 12 ou 13 ans. C'est vraiment la façon d'utiliser les réseaux sociaux qui va déterminer l'impact que ça va avoir sur toi. Les réseaux sociaux m'ont autant créé un trouble alimentaire qu'ils me l'ont guéri. Pendant la pandémie, c'était vraiment horrible. Toutes les filles faisaient des vidéos genre comment perdre du poids en 7 jours, comment avoir des abdos en 3 minutes. J'ai trouvé que ça a été très traumatisant dans mon expérience de réseaux sociaux. Quand j'étais en guérison, ben j'ai commencé à m'abonner à plein de filles qui vivaient la même expérience que moi. Fait que de voir des filles justement que ils décidaient d'affronter leur peur, d'aller au restaurant, de filtrer ce que je consommais, ça m'a vraiment aidée. Moi, j'aime ça voir tous les comportements qu'on fait en ligne comme un vote. Parce qu'on le sait qu'ils enregistrent tout ce qu'on fait, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on like. Imagine si je fais juste me mettre à m'abonner à des pages qui sont positives, à liker des choses qui me font du bien. Bien, la plateforme, elle va enregistrer ça puis elle va s'adapter à nous. Aujourd'hui, on fait le ménage de mon feed. Wesh! C'est donc bien le bordel là-dedans. Les comptes qui me font du bien, ça, on garde. Ça inclut les comptes de mimes qui me font rire, des gens qui m'inspirent ou les comptes d'animaux. Parce que c'est qui peut être fâché devant une vidéo d'un bébé chien? Le mot d'ordre, si ça me fait sourire, on garde. Les comptes qui me fâchent, arc. Ça, on jette. Tu sais, les comptes qu'à chaque fois que tu vois une de leurs publications, tu soupires, tu rages ou tu te sens pas cool, c'est direction les poubelles. Ouh, les comptes des gens avec qui je veux garder contact. Ça, on garde. J'aime ça, avoir des nouvelles de mes amis que je vois moins souvent. Puis en même temps, ça me rappelle qu'on est dit pour savoir. Les comptes déconnus, ça, c'est dehors de mon feed direct. Tu sais, la personne que t'as ajoutée sans trop te poser de questions puis que des années plus tard, tu vois encore ses pauses de vacances dans ton feed. Ou encore le dude inconnu avec sa photo de profil de char que t'as accepté sans savoir pourquoi. Là, c'est le temps de me pitcher ça. Au vidange. Mon feed est propre maintenant. Hey, ça va faire du bien d'aller sur les réseaux sans risquer de me sentir poche à chaque fois que je me connecte. Puis un dernier truc à garder en tête. Rappelle-toi que toi aussi, tu vis des beaux moments. Puis c'est pas parce que tu les partages pas sur les réseaux sociaux que ça les rend moins fabuleux pour autant. Ma meilleure expérience sur les réseaux sociaux, je crois que c'est quand ma meilleure amie d'enfance a repris contact avec moi. Mais on s'était perdu de vue, j'avais changé d'école et tout. Et elle m'avait retrouvée justement là, grâce à Instagram. Puis je me souviens que ça m'avait vraiment fait plaisir de retrouver cette parcelle-là de ma vie, disons. Là. Ces plateformes-là permettent ça, de faire des rencontres avec des personnes avec qui on ne serait pas nécessairement devenu amis, des personnes qui ont les mêmes goûts que toi, alors qu'à l'école, personne aime ces éléments-là. Ils permettent de relier des communautés ensemble, notamment la communauté LGBTQ+, ou des communautés de personnes, par exemple, qui auraient une maladie chronique, bien, de pouvoir avoir un refuge en ligne avec des personnes qui vivent notre situation, qui nous comprennent puis qui partagent leur quotidien, c'est super riche. J'ai le POTS, c'est le syndrome de tachycardie posturale orthostatique. Le diagnostic que j'ai, c'est pas un diagnostic très connu au Canada. J'ai cherché des personnes qui ont eu le même syndrome que moi. Les gens sur les réseaux sociaux que j'ai trouvés, on n'est pas du tout dans le même continent, puis c'est vraiment comme ça que, comme moi, j'ai pu trouver et développer des trucs qui allaient m'aider. Ça m'a permis en même temps de me réconforter un peu. C'est vraiment un point, un énorme point positif des réseaux sociaux. Un avantage du numérique, c'est de pouvoir prendre parole. Tu sais, je m'excuse, là, mais le mouvement avec Greta Thunberg, ça vient des jeunes au secondaire, grâce aux réseaux sociaux, pour responsabiliser tout le monde, là, toute la planète sur l'enjeu écologique. Avec tes réseaux sociaux, tu peux te faire entendre. On nous enseigne pas assez bien comment se comporter sur les réseaux sociaux. Si on va dans un moteur de recherche puis on écrit comment bien se servir des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on va voir? Des techniques marketing pour avoir plus d'abonnés, plus de likes. Ça nous dit pas comment se sentir bien, là. Je trouve le problème des réseaux sociaux, c'est quand t'as une chicane à l'école, ça continue sur les réseaux sociaux maintenant. Fait que t'as eu des chicanes sur les réseaux sociaux.
Oui. Il y a 2 ans, à cause d'une ancienne relation, j'ai vécu de l'intimidation. Il m'insultait sur texto, sur message, sur Instagram, sur Snap. Le fait que ça se suive à la maison, c'est tellement toxique. Puis ça, c'est l'impact d'avoir des réseaux sociaux. Comme le problème, il reste juste pas à l'école, là. Il te suit partout. Puis pour de vrai, pendant un bon 6 mois, genre, on dirait que je voulais plus sortir, je voulais plus aller à l'école. Puis quand je l'ai vécu, j'étais comme, ouch, genre, c'est ça de l'intimidation. Il y a eu comme une espèce de mouvement de comptes qui s'appelle les comptes Expose. Il y a plein d'écoles qui avaient ces comptes-là. Puis ils vont mettre un Google Form anonyme dans lequel les élèves vont pouvoir aller écrire des commentaires haineux. Puis il y a plein de personnes qui se sont retrouvées à vivre de l'intimidation sur les réseaux sociaux. Tu te sens super insécure dans ton propre milieu de vie. Tu te promènes dans les corridors puis tu penses que cette personne-là te déteste, cette personne-là dit ça sur toi. Ils se permettent n'importe quoi parce qu'il y a personne qui va savoir c'est qui. Ça fait que les gens n'ont pas de limite sur leurs propos. Genre, il n'y a pas assez de soutien pour les enfants. Et vu qu'on est la première génération à être vraiment comme dès naissance dans les réseaux sociaux, ben, tu sais, on a appris à vivre avec, puis on sait ce qu'il y a à améliorer. Mais les jeunes là, qui commencent à les utiliser, eux, faut pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que nous, par exemple. Je pense qu'on pourrait tous profiter d'un genre de code de conduite où est-ce qu'on se dit on est respectueux les uns avec les autres, on fait attention à qu'est-ce qu'on publie, on a un esprit critique sur les publications des autres où on comprend que c'est pas la réalité. Puis une couple d'apprentissage comme ça avant de rentrer sur les réseaux sociaux. Vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. C'est aujourd'hui que je vous montre qu'est-ce qu'il y a dans ma sacoche pour avoir un bon comportement en ligne. Checkez comme elle est belle. Ça ressemble un peu à un coffre à outils, hein? Premièrement, j'ai un miroir. Ça, dans le fond, ça m'aide à rester polie quand je commande des affaires. Je me regarde dedans, puis je me demande, moi, est-ce que j'aimerais recevoir le commentaire que je suis en train de faire? Si la réponse est oui, je passe sur le bouton, puis si c'est non, je le supprime. Deuxième affaire, j'ai ma boule de cristal. Dans le fond, ça me sert à savoir quand je suis sur le bord de publier quelque chose, si c'est approprié. Je demande à ma boule, est-ce que ce que je vais publier va me gêner plus tard? Est-ce que ça va affecter ma future job? Si la boule répond oui à mes questions, oui. Je suis comme, ciao, bye, je publierai pas, tu sais. Ah, puis c'est full pratique quand mon chum m'invite au bowling. Ensuite, j'ai ça ici. J'appelle ça mon kit anti-commentaire pas fin. Premièrement, tu respires dans le sac pour laisser sortir le méchant. Puis après, je mets mes lunettes pour plus voir le commentaire et penser à autre chose. Ah! C'est là qu'était mon lunch! Ça, c'est un catalogue de toutes les photos que j'ai prises cette semaine avec un registre de tout le monde qui apparaît dessus. Comme ça, c'est super facile de leur écrire pour leur demander la permission de poster une photo d'eux. Même si ma bête Annabelle me suppliait de la prendre en photo dans son kit de festival, ça veut pas dire qu'elle m'a donné la permission pour la publier. Fait que je vérifie. Ah, puis jamais je partage des captures d'écran de mes conversations privées. En terminant, ça, c'est ma collection de photos de chat quand je veux partager du positif en ligne. Regardez comment ils sont cute! N'oublie pas qu'il faut agir sur les réseaux sociaux comme on le ferait dans la vraie vie. Fais attention à tes commentaires, ignore les personnes négatives et demande la permission avant de partager du contenu qui implique d'autres personnes. Sur ce, bisous les cocos! Puis soyez gentils sur les réseaux, sinon on va vous bloquer! Faut pas s'étonner si c'est compliqué de mieux protéger sa vie privée. C'est à toi de savoir quoi faire, de changer tes paramètres, ses pensées, pour que ça soit pas simple. L'ensemble de ces fonctionnalités-là, qu'est-ce qu'elles font? C'est un petit peu balayer la responsabilité du bien-être dans notre cours. Donc ça, il faut vraiment avoir les connaissances et l'information pour être en mesure d'avoir du pouvoir sur la protection de notre vie privée. J'ai 14 ans et mon premier réseau social est à 8 ans. Je comprenais pas vraiment le fonctionnement des réseaux sociaux. On commence à avoir beaucoup de gens qui viennent nous follow puis qu'on les connaît pas. Je pouvais recevoir plusieurs messages par semaine quand mon compte était connu. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était de l'harcèlement aussi. Puis c'était pas le fun. Quand quelqu'un m'écrivait, ben, je savais pas vraiment comment réagir parce que pour moi, je trouvais ça normal parce qu'un enfant de 8 ans, il n'est pas supposé de comprendre ça. Des affaires
bizarre là, que des gens normaux vont pas dire à des enfants de 8 ans. Du genre, ah, oh, t'es sexy, t'es belle, je te donne de l'argent si tu m'envoies des photos. T'as fini par envoyer des photos de toi? Ouais. Une fois. Il me dit, j'ai des photos de toi, nue, et je vais les poster si tu m'envoies pas toi, si tu m'envoies pas ton corps. Ça s'est rendu à la police. Je l'ai pas dit à ma mère avant parce que j'avais peur de son jugement. J'avais peur qu'elle m'enlève mes réseaux sociaux. Aujourd'hui, mes comptes sont privés. Sur 500 personnes qui étaient abonnées à moi, j'en connaissais juste 20. Si quelqu'un en ce moment vit une situation comme moi, si vous voulez pas en parler à vos parents, au moins en parler à une personne de confiance parce que ça peut aller loin. Je pense pas que les adolescents sont en sécurité sur les réseaux sociaux. Mais je comprends aussi très bien pourquoi, en tant que jeune, vous êtes tous sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes nés avec ça et que c'est quelque chose qui a envahi notre monde. C'est très évident que les grandes entreprises technologiques n'en font pas assez pour protéger les enfants et les jeunes. Si vous croyez qu'elles vont elles-mêmes s'imposer des règles pour vous protéger ou pour protéger les jeunes au Canada et à travers le monde, vous êtes fous. Elles ne le feront pas. Ce qu'elles veulent, c'est faire de l'argent sur votre dos. On a su que Facebook savait que l'usage de ces plateformes avait des effets négatifs sur les adolescents parce qu'ils ont eu des poursuites, parce que des gens à l'interne se sont mis à parler. En ce moment, ils travaillent dans l'ombre parce qu'ils savent que s'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de responsabilité. J'ai travaillé chez Facebook pendant environ 2 ans. Je suis reconnue pour avoir publié environ 22 000 pages de documents internes qui montrent que Facebook a menti à propos de la sécurité des enfants. Pensez aux notifications. Facebook a mené des expériences pendant lesquelles ils ont arrêté d'envoyer des notifications aux enfants après 22 heures et pendant qu'ils sont à l'école. Et ce que les enfants leur ont dit, c'est « Je suis moins stressée. C'est plus facile d'aller me coucher. C'est plus facile de me concentrer à l'école. Je suis plus productif. » Et malgré ça, Facebook a choisi de ne pas désactiver les notifications parce que ça voulait aussi dire que les enfants utiliseraient un peu moins leur application. On a maintenant des preuves de tout ça. Ce que Meta fait de plus en plus, c'est de mettre du contenu déterminé par des algorithmes dans votre fil d'actualité. Avant, vous choisissiez en majorité vous-même ce que vous vouliez voir. Aujourd'hui, une grande partie de ce que vous voyez est sélectionnée par un ordinateur, pas par des humains. On devrait donner plus de choix aux utilisateurs. Même des choix très simples, comme dire « Hey, tu regardes de plus en plus du contenu que les gens décrivent comme étant déprimant. Est-ce que tu veux vraiment faire ça? » Ou même quelque chose d'aussi simple que de dire « Veux-tu réinitialiser ton algorithme? Veux-tu revenir à l'algorithme de base? » Si j'insiste sur le droit de réinitialiser son algorithme, c'est parce que quand on parle à des psychologues qui travaillent avec des enfants qui ont des troubles alimentaires, ces enfants-là disent des choses comme « J'essaie de prendre toutes les bonnes décisions. » Sauf que quand j'ouvre Instagram, mon trouble alimentaire me suit. Parlez aux enfants. Ils vont vous dire quels sont les problèmes avec ces produits. Ces compagnies-là travaillent avec certains des meilleurs concepteurs au monde. Ils pourraient trouver des solutions à ces problèmes-là, mais ils choisissent de ne pas le faire. On est en mesure de concevoir des expériences enrichissantes qui mettent les besoins des enfants ou des adultes en priorité. Mais on n'y arrivera pas tant qu'il n'y aura pas de loi pour faire valoir nos droits. Le droit de savoir et de comprendre ce qui se passe vraiment sur ces plateformes-là. Sans ça, on ne peut pas innover pour améliorer les médias sociaux. Arrêtons de fuir la vérité. Construisons à partir de la vérité. Les médias sociaux existent depuis 15, voire presque 20 ans, et c'est encore un environnement qui n'est pratiquement pas réglementé. C'est pathétique. On ne pourrait pas s'imaginer que l'industrie automobile n'ait aucune règle. Pas de ceinture de sécurité, pas de coussin gonflable. Ce sont toutes des règles qu'on s'est données. Qu'est-ce qu'on leur demande de faire? On leur demande de penser comme des parents et de penser comme des jeunes. Les enfants devraient passer en premier. Ils devraient être la priorité dans la conception de ces produits. Maintenant qu'on entre dans l'ère de l'IA, l'intelligence artificielle, ça va être très important d'avoir de nouvelles réglementations. Parce que l'IA, c'est les médias sociaux sur les stéroïdes. Tant que... Il n'y a pas, disons, des lois ou un État qui dit « Tous les réseaux sociaux, vous devez respecter les mêmes règles. » Bien, un réseau social va peut-être pas le faire parce qu'il se désavantage comparativement aux autres. Bonjour et bienvenue tout le monde à cette conférence de presse pour le lancement officiel des travaux de la Commission spéciale sur les impacts des écrans et sur la santé et le développement des jeunes.
gouvernement a décidé de prendre la chose au sérieux. Alors, avec l'accord de tous les partis politiques, on a créé une commission spéciale. On fait des tournées, on fait des consultations. Et à la toute fin, on dit au gouvernement, ben voici ce que nous, on pense, à la lumière de tous les experts qui nous ont parlé, à la lumière de ce qu'on a entendu pendant les consultations, voici ce qu'on pense qui serait bien de changer. Des fois, ça va aboutir à des nouvelles lois, des nouveaux règlements. On peut absolument pas se fier aux compagnies derrière les médias sociaux. C'est au gouvernement, donc à la démocratie, de dire, OK, ça existe, mais on va poser des paramètres pour être certain que ce soit sain et non pas que ça devienne une épidémie de santé physique et de santé mentale. Et je pense qu'on n'est pas loin de ça. Si on abdique sur notre droit de décider de comment ça va fonctionner, c'est comme si on n'était plus en démocratie, puis on laissait la grande entreprise diriger nos sociétés. Tout ce qu'ils vont faire, c'est prendre le plus de profit possible sans se préoccuper des problèmes. L'algorithme qui est pensé derrière les plateformes, c'est vraiment pour créer de la dépendance. Donc ça, on en est bien conscient. Mais je pense que c'est vraiment une question de prise de conscience collective. Donc oui, les géants du web ont leur part. Je pense que nous, en tant que société, on a notre part également. Mais si vraiment le gouvernement avait pris ça comme une urgence, comme d'autres pays l'ont fait, on aurait pu faire ça en quelques mois. On a décidé de l'étaler sur un an pour ensuite évaluer quel changement. Je trouve ça lent par rapport à l'information qu'on a, mais au moins, il y a quelque chose qui a avancé dans la bonne direction. On en parle. C'est pas de ma faute si je suis né et j'avais un iPad dans les mains, là. Oui, on est sur nos cellules très souvent, mais on n'est pas déconnecté du monde réel. Oui, en effet, on passe beaucoup de temps là-dessus, mais si c'est inculqué dès un très jeune âge, est-ce qu'on peut vraiment nous blâmer? Je suis pas certaine, tu sais. Je suis complètement accro aux réseaux sociaux, mais je pense que tout le monde l'est d'une façon ou d'une autre, là. C'est vraiment un problème qui est collectif. Est-ce que je pourrais ne plus avoir de réseaux sociaux du tout? En vrai, oui. En vrai, oui. Oh, tout fermé, genre, du jour au lendemain. Pour l'instant, pour de vrai, je vais dire non. Mais non. Non, je fais ce que j'ai à faire, j'ai de bonnes notes. Moi, ça serait genre, t'as pas ça, pis c'est that's it. Honnêtement, je veux les supprimer, mais ça va pas arriver, là. C'est plus facile à dire que comme le faire. Je ne jetterai jamais à la poubelle les réseaux sociaux, même s'ils ont leur lot de problèmes, on est capable d'en profiter puis de se responsabiliser. Tu sais, faut que tu te dises, pourquoi est-ce que, dans le fond, je veux passer moins de temps sur Instagram? Pourquoi est-ce que j'ai supprimé TikTok? Parce que si tu n'as pas la réponse à ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas dire ignorer la limite de temps écran et continuer à scroller. Donc, demande-toi, si je passe moins de temps en ligne, ces limites-là, faut qu'elles me servent. Qu'est-ce que je veux faire de tout ce temps-là pour m'apporter du bonheur? Mettons qu'on n'a pas même de pouvoir sur les compagnies qui gèrent les réseaux sociaux. Par contre, tu peux avoir du pouvoir sur la façon dont tu t'en sers pour que ton utilisation soit saine. Pour t'aider là-dedans, voilà des questions à te poser sur ta consommation d'aujourd'hui. Baisse un doigt si tu as passé du temps sans écran avec ta famille ou tes amis. C'est important d'avoir des relations en vrai puis pas juste de manière virtuelle. Baisse un doigt si tu as pris le temps de bien manger. Des fois, les réseaux sociaux, ils nous absorbent tellement que c'est possible d'oublier de faire la base. Baisse un doigt si t'as pratiqué un loisir sans ton cellulaire. C'est vrai que les réseaux sont divertissants, mais c'est le fun d'avoir des passions à l'extérieur de ton écran. Baisse un doigt si t'as arrêté une séance de scrolling avant de te sentir poche. C'est facile de se sentir pas cool en regardant la vie des autres, mais ça enlève rien à la tienne. Baisse un doigt si t'as vécu un moment plaisant sans le montrer sur les réseaux sociaux. Des fois, c'est le fun d'être heureux, juste pour nous. Baisse un doigt si t'as bien dormi. C'est facile de passer sa soirée à scroller, mais faut apprendre à s'arrêter. Baisse un doigt si t'as publié quelque chose sur les réseaux sociaux sans regarder les likes. Faut publier pour toi, pas pour les autres. Baisse sur publier, puis passe à autre chose. Si t'as baissé tes 7 doigts, félicitations, t'as une relation saine avec les réseaux sociaux. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il te reste 3 doigts pour trouver tes propres trucs. Rappelle-toi que même si les réseaux sociaux font tout pour te garder connecté le plus longtemps possible, c'est ton pouce qui a le dernier mot. C'est la job de tout le monde de s'éduquer sur comment bien utiliser les réseaux sociaux. Pas juste critiquer les jeunes, mais que cette réflexion-là, elle soit collective. On apprend encore comment ça marche. Il y
Vous avez le pouvoir de contrôler votre propre utilisation des médias sociaux et des technologies. Vous êtes vraiment capable de les utiliser pour leurs bénéfices et intelligemment. Je pense qu'on doit juste être conscient qu'il y a des règles invisibles et des modèles d'affaires derrière ces compagnies. Aucun d'entre nous devrait se sentir coupable d'utiliser ces technologies, mais on ne devrait pas se faire utiliser par ces technologies. Il faut vraiment savoir qu'à partir du moment où on ouvre une application, on ouvre aussi le fruit du travail d'ingénieurs, de psychologues, de gens qui comprennent le cerveau humain, qui veulent nous inciter à rester. Mais la bonne nouvelle, c'est que on nous oblige pas à rester, on nous incite à rester. Donc, c'est quand même nous qui avons le dernier mot. Fait qu'il faut reprendre ce contrôle-là. On sait pas comment s'en servir. Est-ce qu'on va faire des erreurs? Oui. Oui. On va poster des choses qu'on va faire quelques années plus tard. Or, pourquoi j'ai posté ça? À quoi ça a servi? Mais ça vaut quand même la peine de nous laisser comme découvrir ça un peu. Parce que c'est vraiment, ça fait partie de notre vie. Donc, ouais. Moi, c'est Léo et j'ai... Moi, c'est Léo et j'ai 170 ans. C'est que soit tu pèses espace, mais si tu pèses deux fois sur espace, ça pèse sur le zéro.